par la série des arts, on va commencer les premiers dessins, par exemple, parce que je commence toujours par les séries de dessins, les grandes séries de dessins. Et la première série a commencé parce que j'avais été opéré de cette épaule, je ne pouvais me servir que de la main gauche. Donc j'ai commencé avec des gros pastels gras et de la main gauche. Donc je voulais dérouter aussi le geste trop connu. Donc avec la main gauche, ça me faisait faire un autre geste complètement inversé, quoi. J'aime bien travailler avec des outils rudimentaires, des outils qui servent à autre chose qu'à la peinture, quoi. Je travaille aussi avec des couleurs très, très basiques. J'ai toutes les trois couleurs et le blanc. Ah ouais. C'est tout. Et je fais toutes mes couleurs à partir de ça. Ah ouais. J'aime travailler avec le minimum de matériel, quoi. Et petit à petit, il y a eu l'idée de l'arbre. Et alors que j'ai fait ça, j'étais enfermé dans une pièce pas très grande, à Laval, très loin de la nature. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a fait que j'avais envie de peindre des arbres. Ouais. Hein, de dessiner des arbres. Et après, bon, ça a continué. Et plus, avec toujours l'idée de l'arbre, mais ça s'en allait vers le paysage. Mais aussi, je travaille beaucoup par série, parce que je ne peux pas dire une chose avec une seule peinture. Mmh. J'ai besoin de recommencer la peinture. C'est comme si je faisais toujours la même peinture, finalement. Mmh. Et qu'à chaque fois, j'essaie de la penser autrement, de la réinterpréter complètement autrement, en oubliant ce que j'ai fait avant. Alors, forcément, il y a des traces qui reviennent. Vous réussissez à oublier ? Non, pas vraiment. Le geste est là. Ouais. Mais essayez de contourner, enfin de plus penser à ce qui a été fait, quoi. La plupart du temps, essayez ça.